C'est le succès du débarquement de Normandie et l'insistance du grand général, le plus grand que nous ayons eu, Charles de Gaulle, qui décidèrent le président américain Franklin Roosevelt de déclencher l'opération Anvil Dragoon le 15 août 1944 en Provence. Aujourd'hui, 23 août 2015, nous fêtons le 71e anniversaire de la libération de Mandelieu-la-Napoule. Ce ne fut pas si simple que ça, car il y a eu énormément de morts au niveau des Américains et au niveau des résistants. Et donc, il était important pour nous de saluer leur mémoire, et en particulier aux Américains, car nous avons, depuis le début de l'année, nous savons qu'il y avait 25 Américains du bataillon, du 509e Para Infantry Battalion, qui sont morts dans le vallon de la Rague pour pouvoir libérer la Napoule. Et c'était normal que nous leur fassions un hommage particulier avec une plaque commémorative sur le parking haut du port de la Rague, que chaque passant pourra voir chaque fois qu'ils passeront par là. Autrement, je suis très heureux aussi d'avoir réussi à faire venir la Lyre et tout son équipage avec le commandant Guirand, qui nous a permis d'avoir un magnifique piquet d'honneur et une vingtaine de marins sur les rangs, ce qui a été formidable et je pense qu'il a été apprécié par la population. Afin qu'on puisse effectivement rendre hommage aux Français. Qui a été formidable et je pense qu'il a été apprécié par la population.